Les travaux rue Gambetta à Lille se poursuivent. Dans 4 mois, une partie des trottoirs sera élargie et des places de stationnement verront le jour. En attendant, ces travaux perturbent la circulation et empêchent les voitures de se garer, ce qui a des conséquences sur les commerçants. Ces derniers ont déjà observé une baisse de la fréquentation qui a d'ores et déjà déteint sur leur chiffre d'affaires. Clément Carion leur a donné la parole. Écoutez. De ne pas pouvoir se stationner comme il le faut occasionne forcément une baisse d'activité, bien entendu, oui. Pour l'instant, on le ressent quand même, étant donné qu'ils n'arrivent pas à venir, donc on verra bien dans 4 mois, là on ne peut pas dire l'avenir, mais c'est vrai qu'actuellement on le ressent. Je pense qu'on aura forcément un passage de réadaptation, puisque quand on ne peut pas accéder pendant un moment, forcément il y a une baisse de fréquentation qui se fait. Il y a toujours des problèmes inhérents aux travaux, soit la poussière, le bruit. Mais aujourd'hui, ce qui nous embête le plus, c'est l'accessibilité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de clients qui ne viennent pas à cause de ça.